Le retour à Paris, c'était super d'avoir des messages de tous ces Français qui sont venus nous accueillir. Ils nous ont encouragés pendant toute la quinzaine des Jeux. Et là, non, on a pris plein les yeux. Vous vous attendiez à voir autant de monde sur les Champs-Élysées? Non, sincèrement, non. Non, 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 non. Ça avait démarré à la gare du Nord déjà, À la là. gare du Nord déjà, et puis justement après, bah, quand on est sorti de la gare pour aller jusque sur les Champs-Élysées, c'était super. Ça fait vraiment chaud au cœur. Ça vous a donné des frissons. Qu'est-ce que les supporters vous disaient? Merci, Mais voilà, c'est bravo. ça, merci, merci. Alors moi, je suis un peu entre les deux, puisque j'ai encore cette défaite entre guillemets. Ouais, on va y Mais revenir. les messages des supporters, qu'ils avaient des étoiles plein les yeux, tout simplement. Comme j'ai dit, les joueurs qui ont suivi déjà à Londres, et puis justement le retour ici, les messages que j'ai pu avoir sur les réseaux sociaux. Non, c'est deux belles médailles. Je pense que je les mérite. J'aurais préféré un autre métal, mais bon, c'est comme ça. C'est le sport, tout simplement. On est les plus leaders sur les Jeux Olympiques, on va dire. Oui. Voilà, parce que si on regarde le bilan sur les championnats du monde, on est largement devant. Après, oui, bah, c'est des médailles d'argent. Voilà, on préférait des médailles d'or. Voilà, j'espère qu'on va se servir de ça pour pouvoir avancer encore plus fort. Alors Pour justement. ma part, je pense que les Anglais, voilà, sont forts, pas aussi forts que nous, mais dans la préparation, tout ce qui est les textiles, le vélo, les roues, l'alimentation, ils ont chaque personne est à sa place pour gérer tout ça. Alors que chez nous, encore, il y a encore des lacunes, même si par rapport à 2008, on a fait pas mal d'efforts. Vous avez eu des suspicions sur les performances des Anglais avec leur domination là sur ces jeux? Bah, bien sûr, parce que vous regardez depuis 4 ans, c'est pas les Anglais qui dominent. Il y a quelques mois sur les championnats du monde aussi, et là, en très peu de temps, voilà quoi, ils ont su élever leur niveau ils ont su élever leur niveau, mais surtout parce qu'ils ont travaillé. Et je pense que les moyens qu'ils ont pu mettre sur les Jeux Olympiques là, ils les ont pas mis sur les championnats du monde, même il y a 4 mois. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a eu une grosse différence comme ça. Alors. Oui, je suis fier parce que je pense que voilà, j'ai montré aux Français puis même au monde entier que voilà quoi, qu'on était fort. Et pour pas vous le cacher aussi, je suis blague, donc ça me rend fier. Je suis content d'avoir montré haut les couleurs de la France, de la Guadeloupe aussi. Et puis voilà, ça reste de belles médailles.